Interview ist morgen. Morning. Morning. Long flight? Servus, my friend. Everything okay? Yeah. Oh! Real. Good to see you. Huh? Good? Yeah. Thank you. Go. Stem. Tudo bem? Un'amica. Una volta al mondo, eh? Sì, un'amica. Per l'esperienza a casa, io vado a casa adesso. Io vado a casa. No. Yeah.
Of course, it's a big change to leave a brand like KTM after 12 years and a lot of success. But life is short, and I think I decided that it's time for me to try something else. And I'm lucky to make a sport, rally red, which I think the rider have a lot to do on the sport. And the challenge is not just to change the brand, is just to see that if with a couple of guys which follow me, we can did good like we did on the past with the Austrian guy. And well, the first impression I get it really soon after the Dakar victory this year. I was first of all really surprised concerning the power, concerning the agility of the bike. It's not a proper bike made for long distance desert, but I think the Dakar changed and this bike, this 450 YZF is really good for the kind of terrain we have in South America. And they also did well during this Dakar, and as soon as I jump on the bike, I understand that there's some reason inside the engine and inside the chassis which they did well. And I just wanted to try to also make it better. Yeah, it was important in 2013 to break the rhythm we have with Marc Coma since 2005. One victory for him, one for me, one for him, one for me. And then winning two times in a row was nice. Was something different, a really good feeling to try to make it two times to prove that you can do it well and stay concentrated at the same level for 2 years. This was cool, and to see if it's possible to make it a third time in a row. This is what I will try to do. Don't worry about it. I will be there. I have my number one on the bike, and I will do everything to keep it for 2015. Bon, c'est vrai que c'est un grand changement cette année 2013. Un grand challenge, un défi qu'on s'est lancé. Même après cette victoire au Dakar, je pense qu'il fallait voilà, essayer quelque chose. J'ai été bien accueilli dans la grande famille chez Yamaha, content de la moto, et j'ai hâte de commencer les compétitions pour voir ce que ça donne. Bon, la première impression en montant sur la moto, c'était pas très longtemps après la victoire au Dakar, et c'est vrai que la Yamaha 450 avait fait des bons résultats, avait fait preuve d'une certaine agilité, d'une puissance au niveau du moteur, et donc dès que je suis monté sur la moto, je me suis rendu compte que voilà, si eux aussi, Yamaha, avaient réalisé un bon Dakar, c'était entre autres grâce à leur machine, à ce qu'il y a à l'intérieur du moteur, à leur châssis. Et même si ce n'est pas une moto qui a été conçue pour les grandes courses comme il y avait autant il y a quelques années en Afrique, c'est une moto qui correspond bien à ce qu'on demande en Amérique du Sud. Et ouais, j'étais vraiment surpris, et c'est sûr que ça a fait partie. C'est grâce à ça aussi que j'ai décidé de changer. Bon, c'est vrai que c'était important
de couper un peu cette, ces victoires où c'était une fois Marc, une fois moi, une fois Marc, une fois moi, une fois Marc. 2013, c'était ma deuxième victoire d'affilée. C'était aussi de prouver que voilà, j'arrivais pendant 2 ans à garder la même concentration, la même envie, le même souci de bien faire. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose que j'espérais pouvoir rester concentré. Est-ce que c'est possible de le faire une troisième fois d'affilée, une troisième victoire? En tout cas, il faut être sûr que je vais m'employer pour être prêt et pour essayer de garder le numéro 1 encore une année supplémentaire sur cette moto. Donc, ouais, je pense que c'est possible, c'est réalisable. Bueno, de momento me siento bastante bien. Hace algunos meses que estoy con esta Yamaha y estamos todavía trabajando, preparando para este próximo Dakar. Es una nueva experiencia. No era fácil de cambiar de irme de KTM. ¿Para qué? Pero yo creo que la vida es un challenge y este challenge, este desafío que tengo con esta nueva moto y este nuevo team. No sé si será una batalla solamente entre Marc, Coma y yo. Es verdad que estos últimos años siempre al final de la carrera estábamos o él o yo. Pero creo que este año muchos nuevos pilotos, jóvenes, con muchas ganas, equipos con moto bastante bien preparado. No sé si al final en 2014 estaremos siempre con Marc para luchar, pero creo que durante la carrera vamos a estar unos pilotos a luchar, seguro.